À Dieu vienne ici. Demi mayramati ala la foloba. Un deux. Obeye naya. Et les anciens et les dirigeants qui sont là se mettent derrière nous ici. Mokroba yena. Derrière nous ici. Djengru mokroba yena kofeya. Mère d'enfants, venez avec les bébés. Denunu aina nyoye. Venez les donner à Jésus de Nazareth. Aina deuti mati Yesu Christama Nazareth kache. Quand nous allons bénir ces enfants, vous allez vous engager à les garder dans le Seigneur Jésus. Celui-ci s'appelle Boniface Meunier. Boniface Meunier. L'acclamation à Jésus. Cadeau sur le cadi, Matthieu. Acclamez Jésus de Nazareth. Quoi être pour Matthieu? Ni cadet dit, mon corbama, il répond. Allez, ben, allons-y, dénier. Et bénissons ses enfants. Quoi être au cadeau? Disons, oh Père, Matthieu, ses enfants. Et demande le nom à sa mère. Yes, ou bien son père. Tu pries en toi. Tu as dit, mi bena dois ok. Il va te dire à ma. Tu as dit à ce rôle-là. Non, succès, Meunier Boniface. Que la sagesse de Dieu t'habite. Que les desseins de Dieu te soient accordés. Que tu sois sage et intelligent. Que tu ton cœur s'attache à Jésus-Christ dès le plus bas âge. Qui te délivre de tous les toutes embûches. Qui te sépare de toutes les maladies qui frappent les petits enfants. Que personne ne soit capable de t'en foutre. Que la gloire de Dieu t'accompagne partout. Que une muraille de protection t'environne. Que tes parents soient bénis avec les moyens pour t'élever et pour t'éduquer. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Le premier rang, vous descendez comme ça. Juru folo moko nunu. Do ukera ude uye kaba. Olu ye jik doni. Le nom d'enfant à leurs parents. Aide ou tro nyinga. Obam sora. Voilà ma den yere la. Dis Seigneur Jésus. Aba matri Yesu. Nous te présentons ces enfants. Ambe ni den ujira ila. Et nous te les consacrons. Ambe oti ima. Prie pour les enfants, bénis-les. Ibro nyuma la oka matri. Ye okrosi. Yato eto lanaya la. Yato sotra kana. Ikana to
sotra ese okro yo boss boka kajoba ka reka beka na sekara lokaji ni chema ti ore del ka se beka na la sekara yo hakridia nom de Jésus de Nazareth yo hakridia amen. Maintenant levons nos mains, disons que si les méchants ont déjà posé un acte de méchanceté contre un seul de ses enfants, que cet acte soit banni. Donc, ni ce grand tout à coup de la bête, un comme obéir, tiens, ces autres là. Poser un acte de méchanceté contre ses enfants, que cet acte soit banni au nom de Jésus. Lève ta main, prie que les parents soient bénis financièrement. Pour les nourrir, les envoyer à l'école, l'école là, acheter les vêtements, les amener aux réunions, les amener partout où il y a des rencontres. Ça demande de l'argent. Et lever les enfants demande qu'on ait l'argent. Prions ensemble. Oh Père, bénis ses parents avec tout ce dont ils ont besoin, pour que ces enfants aient de la nourriture, les vêtements, la scolarité et les soins, et qu'ils puissent les mener à des rencontres spirituelles pour leur croissance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Quoi est bien Kassigi? Merci beaucoup. Quoi n'y tient berbre? Ce matin est consacré à la bénédiction et à la destruction des forces de blocage. Quelqu'un va lire pour nous 1 Samuel 15, versets 1 à 3. Amen. Allah a tiré d'un d'autre tombé à toi qu'au Samuel. Amen. Comment fleur ou ta sebel est là? Samuel dit à Saül: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y a un peuple, les Amalécites. Ils sont sortis pour barrer la voie aux enfants d'Israël. Ils ont dit: les enfants d'Israël ne passeront point ici. Qui a compris ce que je viens de dire? Écoutez ça très bien. Vous les nouveaux là, les enfants d'Israël, c'est-à-dire les enfants de Dieu, Israël deu okro leko alata mognala wolomani nunu, avaient été délivrés par Dieu. Dieu les avait délivrés. Matika o bosi jonyala. Et Dieu leur a dit: Matuko mako, allez, kwaitaka, vous allez vivre dans la terre de Canaan. Wa benata sigi jamana dola o troko Canaan. Dieu les avait sauvés parce que Pharaon les frappait tous les jours. Et il leur donnait des travaux difficiles.
difficile. Et il souffrait. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a entendu leurs cris. Dieu a dit, Moïse va les chercher. Et Moïse allait les chercher. Et Dieu leur a dit, allez à Canaan. C'est votre pays là-bas. Si vous êtes là-bas, il y a la nourriture, il y a de l'eau. Il y a le pain. Fin bébé. Il y a les fleuves. Qui, quoi, baba il y a les lacs. Qui, baba là-bas, il n'y a pas de désert. Congo colon. C'est le bonheur parfait. Mais, nga. Quand les enfants d'Israël sont venus, Olu boraminke, Amalek, Amalek, c'est un peuple. Amalek, ils ont barré de route. Fermé complètement. Ils ont dit, les enfants d'Israël ne passeront pas ici. Et ils ont barré la route aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça qui est très important. Ça veut dire que les ennemis de ta vie vont t'empêcher de grandir, de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Ils vont faire beaucoup de choses contre toi jusqu'à tenter la sorcellerie. Vous avez écouté les témoignages. On a initié une petite fille. Un mari de nuit est entré dans sa vie. Donc la sorcellerie a envoyé dans sa vie un mari de nuit. Pour gâter sa vie. Je ne sais pas ce qu'on a envoyé dans ta vie. Mais Dieu te donne l'intelligence. Dieu veut que tu saches qu'on peut barrer la route. Dieu veut que tu saches que tes ennemis peuvent barrer ta route. Tu n'évolues pas. Dans tout ce que tu fais, il n'y a pas de progrès. Les autres viennent, ils passent. Quand toi tu arrives, tu tombes. Pourquoi? Tu as des amalécites sur ton chemin. Tu as des amalécites sur ton chemin. Amalécica dans le biyasra là. Amalek est sur ton chemin. Amalek est là. La prière de tout à l'heure a pour but de casser le travail d'Amalek. C'est briser les barrières qu'il a placées. Tout sera détruit. Ta vie sera débloquée. Les gens qui ne te cherchaient pas vont te chercher. Les gens qui ne voulaient pas te voir. Parce que Amalek était dans leur vie contre toi. Ils vont te laisser tranquille. Dieu attendait que tu réalises et que tu demandes. Jésus a dit, on donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Voici le jour où tu dois frapper. Voici le jour où tu dois chercher. Voici le jour où tu dois demander. Où tu dois demander.
Voici le jour de ta délivrance. Ibe bossi. Dis au nom de Jésus. Apo Jesus Christo ara. Je proclame qu'un malade ne peut rien contre moi. Akami fo ibe onyon fo. Dis vous tous. Aube. Vous mes ennemis. Qui jouez le rôle d'un malade dans ma vie. Pour barrer la route. Pour que je n'accède pas aux bénédictions que Dieu a réservées pour moi. Je déclare que vous êtes vaincus, vous tous, hommes et femmes, esprits de mort, esprits des eaux, esprits de montagne, esprits méchants, je déclare que vous êtes vaincus. Je déclare que vous êtes vaincu au nom de Jésus de Nazareth, qui est descendu, qui est mort à la croix et qui a déclaré à la croix, tout est accompli. Je vous déclare que tout est accompli. Jésus m'a déjà libéré. Jésus m'a déjà pardonné. Même si je suis allé chez le diable consulter les marabouts, je regrette cela. Je ne le ferai plus jamais. Je ne veux aucun don du diable, aucun cadeau du diable. Je ne veux aucun service des esprits de mort. Dis esprit de mort. Je ne dois plus vous voir dans les rêves. Ne tentez pas de venir me donner les messages. Je n'en ai pas besoin. Le Saint-Esprit me parle. Et cela me suffit. Je ne veux pas la protection des démons. Un python ne peut pas me protéger. Satan, tu mens. Il n'y a pas de protection chez toi. Jésus-Christ a déclaré que le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour tuer, pour égorger. Tu ne protèges rien. Tu viens pour voler, pour voler. Nous te jugeons, nous détruisons tes ruses. Tu ne voleras plus rien. Car il est écrit, les brebis entendent la voix du berger. Ils reconnaissent la voix du berger. Dis Satan, je reconnais la voix de Jésus. Quand Jésus me parle, je sais que c'est lui. Va-t'en, sors de ma vie. Continue à prier. Et toi, Gadari, toujours. Dis je proclame, il n'y a pas de bon diable. Va-t'en, esprit des eaux, va, esprit de mort, va, dans les nuits, va, esprit de python, va. De vous, c'est Jésus notre Seigneur, Jésus de Nazareth, et tout esprit qui s'est placé sur notre chemin pour barrer la route, nous te frappons, nous te taillons en pièces, nous brisons tes appuis, nous détruisons ton orgueil, nous te renversons, nous cassons ton trône. Nous te jetons dans la poussière. Nous demandons que le vent du désert vienne te soulever, vienne t'emballer et te jeter dans les extrémités. Et te jeter dans les extrémités. Dans les extrémités du désert. Au nom de Jésus. Le désert où il ne te sera même pas permis de régner même sur les scorpions. Parce que ce n'est pas toi qui les a créés. C'est notre Père qui les a créés. Continue à prier.
Yetoka ala deli tuma be. Tani ala deli irei. Sotra ta fanga be tia. Aya fanga be be tia ya moyala. Lève ta main droite, dis au nom de Jésus. À quoi qu'on y est ce temps-là? Frappons et nous dispersons tous les démons derrière le célibat. Tous les démons derrière le célibat. Nous vous transpersons. Nous vous brisons. Nous vous taillons en pièces. Nous arrachons toutes les alliances et nous cassons tous les blocages. Nous proclamons la victoire. Vous êtes tombés, 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 vous ne vous relèverez plus jamais. Jamais, 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 jamais. Continuez à prier. Continue à prier en larmes. Le Seigneur est en train de travailler. Prie en larmes, prie en larmes. Matri be barala. Abe barala, abe barala, abe barala, abe barala. Lève sa main droite. Dis-toi, esprit de misère et de pauvreté. Je te chasse de ma maison. Certains sont à la maison alors que toi tu es ici. Dis, je te chasse de là. Sors de ma maison. Dis au nom de Jésus. Ne te tiens pas sur le chemin où je vais passer. Dis, je t'ordonne. Ne te tiens pas sur mon chemin. Dis pauvreté, pauvreté, pauvreté. Sors de ma vie. Va-t'en vite. Va-t'en vite, va-t'en vite. Continue à prier là, continue à prier là. Lève ta main droite. Au nom de Jésus, nous bannissons tout ce qu'on appelle envoûtement. Nous cassons tout ce qu'on appelle envoûtement. Nous écrasons tout ce qu'on appelle envoûtement. Nous proclamons la liberté de tous les captifs. Dis captifs, vous êtes libérés. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous détruisons les symboles et les objets qui ont été utilisés pour l'envoûtement. Dis, je me sépare de tout ce qu'on a volé. Tout ce qu'on m'a volé. Pour aller pratiquer l'envoûtement avec.
Je brise le lien qui me lie. Je brise le lien qui me lie à ces objets. Et je déclare nul, 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 nul et sans aucun effet tout ce qu'on appelle avortement. Je proclame ma liberté et ma victoire. Continue à prier là. Et au nom de Jésus, je récupère tout objet, tout diplôme, tout habit, tout objet m'appartenant qui a été volé et caché. Je récupère tout. Je récupère l'argent, l'argent. Je récupère les contrats, les contrats. Tout ce qui était précieux, que les sorciers ont volé, ou les esprits des morts, derrière les fétichismes, je récupère tout et je possède mon héritage. Et je bénis tous les frères avec la capacité de récupérer leur héritage et d'être possesseur de leur héritage. Au nom de Jésus de Nazareth, continue à prier à l'âme. Je vomis tout poison spirituel qu'on m'a fait manger en songe. Je vomis toute boisson démoniaque qu'on m'a fait boire en songe. Je sanctifie mon être tout entier. Par le sang de Jésus, je déclare que tout ce qu'on a tenté contre moi est annulé, 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 annulé. Dieu, au nom de Jésus, nous déchirons les fausses alliances, les alliances de mensonges à travers lesquels le diable a volé à nos familles. Nous les déchirons et nous chassons tous les démons que toutes ces alliances ont introduit dans la famille. Nous chassons tous les démons que toutes ces alliances ont introduit dans ma vie. Au nom de Jésus, prie en l'âme. Dieu peut te parler. Il peut te dire, mon fils, ma fille, tu es délivré. Il peut te dire, je suis avec toi. Et il peut envoyer des anges, même au fond de la mer, te détacher. Même si c'est dans les racines des montagnes. Et toutes les maladies qui viennent des envoûtements, nous les bannissons. Toute maladie qui t'habite. Toute maladie qui t'habite. À cause des envoûtements. Nous la chassons au nom de Jésus-Christ. Pour la bagage,
Même si c'est au fond de mon train. Va-t'en vite, au nom de Jésus-Christ. Toute maladie, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Va-t'en. Quel que soit ton nom, même si c'est une boule, une boule, un kyste. Les hémorroïdes, les pertes de sang. Bana, tu le bon. Au nom de Jésus. Yesu t'aura. Que tout s'en aille, que tout s'en aille. Que tout s'en aille, que tout s'en aille. Que tout s'en aille, que tout s'en aille, que tout s'en aille. Au bébé t'aura. Tout s'en aille. Que tout s'en aille. Ibi brûle là, euro là, au bébé t'aura. Si tu sens quelque chose qui t'enroule, qui part. Ni beko do kolona. C'est un esprit de serpent qui est en train de fuir. Abese ka kes sang doye, allez le bébé t'aura te. Il est en train de fuir. Gardez le calme. Gardez le calme. Et ha Christigi, tcho. Qui a eu une vision pendant qu'on priait? Tchon le kako doye quand au délili là. Lève la main. Et bi procrot. Restez concentré. Oui, viens prendre le micro. Kona, na nyafo. Venez la chercher, il y a une petite bagarre. Venez, il est là, à la porte. Baïra koko dokela. Roi, Dieu. Amen. Dieu m'a guéri. Mati kan kenya. Quand on est en train de faire prière là. Antumbetil là. Tout est fait mal. Je ne peux pas me respecter. Maintenant là, Dieu m'a repéré tout dans ma vie aujourd'hui. Jésus-Christ. Quand on est tombé en dimina. Nous ne sommes pas fous. Mais, en tout cas, la délire là. Je te remercie, Éternel Tout-Puissant des Rois des Rois aujourd'hui. Abel Mati pour Akosebe. Il y a des maladies. Banando. Dont on verra la guérison dans un an. Yani Sanjikele, Amen Ayeko, Ben Atunu, Anten Akosro, Atunu Watila. Il y a des maladies. La réponse est déjà là, on sent ça. Banando, Frappe, Yuroninkele, Olui Rekene Alakaban. Qui verra un témoignage? John le bas fait casserie à la dit. Il y a quand on priait ici. On tombe dit là. C'est ça. Le papa dit, on a qu'à dire, on a qu'à prier pour dire le mal. Quand on dit mari de nuit, nous fatigue. Et ça, ils attendent de prier. Il y a bien un homme, il a porté tout nous, et puis il était en forme. Et puis il a porté les fers, si son pieux. Et puis il était assis à côté de moi, et puis il rit. Quand on a commencé à prier, il me regarde en face, il me regarde mal. Quelque chose me dit, il faut le demander pourquoi tu regardes, quelque chose dit pas que tu as parlé, il faut le laisser. Il m'a regardé, puis il était en tout noir. J'ai dit, ah, mais pourquoi il était comme ça, puis il me regarde comme ça. En même temps, on a commencé à prier fort là. Il m'a donné deux chaînes qui, si son pied chaîne, s'est coupé en deux. Puis il m'a donné deux, il m'a fait, il faut quitter là-bas. Puis il m'a donné deux, puis il est parti. Allez. Ouais, merci. Saint-Fimant, Jamadjan, dans les Bora, à Kaye, au Kobekofé, à Trala, à Kodola. Il a vu un monsieur avec des chaînes aux pieds qui est sorti d'un cimetière et s'est mis à rire. Maintenant, quand la prière a commencé, la chaîne s'est coupée, le monsieur est parti en colère. Je remets tout. Il est rentré délivré des envoûtés. J'ai béni le nom de le Seigneur. Depuis vendredi que papa est venu, j'étais assis à côté de lui. Vraiment, je sentais une douleur comme il sait. Pourtant, depuis fort longtemps, je n'ai pas eu ça. Donc,
mon frère m'a pris et puis dit de monter en haut. Lorsque je suis monté, quand papa m'a touché, j'ai senti quelque chose qui s'est descendu. Depuis vendredi, même hier, même c'était commencé la même chose. Quand papa priait pour nous, il nous a dit de monter. Quand il priait pour nous, et puis là, il m'a touché. Vraiment, j'ai senti quelque chose qui m'a libéré, comme j'ai fait diarrhée. Tout ça, il a dit que ouais, tout ce qu'ils ont mangé, comme envoûtement, que vraiment, que Seigneur, les cas les libérer. Vraiment, j'ai senti de l'air que je suis délivré au nom de Jésus. Et dit merci à papa. Kadam la Jumalo, depuis Baba Nana, Oka Ala Dari Ali. Acclamation à Jésus de Nazareth. Akaraïna Poko, Tendopora Kunola. Guérison instantanée. Gloire à Dieu. Ce matin, depuis on est venu le vendredi. Maintenant, quand on venait, mes deux enfants et moi-même, en tout cas, on était bien. Maintenant, au dernier jour de prière, là, matin, là, je ne pouvais pas m'arrêter même. Je ne peux pas. Je suis couché, je traînais là même. Maintenant, le frère, monsieur, quoi, on dit monsieur Tono. Quand l'autre est venu, il m'a demandé, mais maman, tu as quoi? Il a dit, mon cœur, ils sont attirés, mais mon cœur, je ne peux pas. Il a appelé une soeur. Pardonnez, venez en prier pour ma soeur. Ils ont commencé à prier. Il dit là même en dehors, il a dit même qu'ils n'ont qu'à bien tirer même. Ils traînent, ils ne peuvent rien faire même. Et puis il a dit, mais ça là, c'est quoi ça là? Au nom de Jésus, moi, il est rentré. Dernière prière là. Il est prendre et puis il est parti. Et ça. Donc quand on est rentré de suite, papa, on a commencé à prier. On a commencé à prier. D'un coup, je sens quelque chose qui est descendu. Il dit, tout mon pied était chaud comme ça. Après la prière, quand papa a dit amen, là, on dit même que, en tout cas, il est guéri. C'est fini. La... Merci, Kakane, à Franani. Jésus Christ. Offrons la transmission à Jésus Christ à Nazareth. Nos mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Moi, je vais dire merci au Seigneur qui m'a délivré des maux de rein. Il faut dire qu'en venant, j'étais souffrant. Et quand je suis venu le vendredi, je ne pouvais pas suivre la rencontre parce que je n'entends plus rien. Mais hier, le Seigneur m'a délivré. Et ce matin, je me porte très bien, j'entends tout. Que la gloire le soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamation à Jésus. Mais matin, quand on voit, pas diminué. Acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Acclame Jésus-Christ. Voyez qu'on va matin. Suivant. Moi, c'est Madame Ladé. Je viens de Daloa. La délivrance que Dieu a opérée pour moi, c'est hier. Quand nous sommes partis, après la prière, nous sommes allés dormir. Ça fait 40 ans aujourd'hui, je ne peux pas me laver avec l'eau froide. Mais ce matin, je me suis levée, je me suis lavée avec l'eau froide et je n'ai rien senti. Amen. Et je dis merci à Dieu aussi parce que si je ne m'assois pas, je ne peux pas me laver. Mais aujourd'hui, je me suis levé, je me suis lavé. Nous serons dans Koni Kismaï. Je dis merci à Dieu. Amen. Acclamation. Merci. 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 Suivant. Gloire à Dieu. Vraiment, quand on venait, je viens de Masala. Quand on venait, j'étais souffrante moi-même et ma fille aussi. Donc, quand on est arrivé ici, c'est vrai, elle avait de la fièvre, mais ce n'était pas trop. Mais arrivé à Seguela ici, je vois qu'elle chauffe. Je dis, bon, on va à l'hôpital d'abord. On est parti, on prend la température, c'est 40 degrés. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ah, on vient t'adorer. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Vraiment, on a fait les soins. L'argent même que j'avais, tout est fini. Je n'ai même pas pu payer tous les médicaments. Donc, je suis allée à la maison pastorale. Il dit, ah papa, voici ça. Oh. Donc, ils ont rendu ministère. Mais ça n'allait pas toujours. On est venu, on a fait la prière le vendredi. Ça n'allait pas. Le samedi, ça n'allait pas. Hier. Maintenant, aujourd'hui matin, après la prière, on est parti à la maison. Aujourd'hui matin, ma fille se réveille. Elle dit, maman, j'ai faim. Il dit, hein? T'as faim, hein? Toi qui ne mangeais pas.
Et dit, maman, je suis guéri. Jésus-Christ. Je suis guéri. Oh, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, ma fille est là. Elle se porte très bien. Actuellement, elle me presse comme ça pour aller manger. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Adem Soutou Mankene. Maripan Tumpana Fokateme. Mais Matri Yesuka, Adem Sou Bossipi. Gloire à Dieu. J'ai dit merci à Jésus de m'avoir délivré. Ça m'a fait un mois. J'ai un côté qui est paralysé. Je suis couché. Afin que les bêtes feront les tombes là, car nous les oui. Donc je suis guéri. Acclamation à Jésus-Christ. Mais Ananaya, à Selaka, à Brokrota. Donc depuis un mois, c'est complet, ne bougez pas. Il vient de le tester. Vous avez vu, c'est vrai. Vraiment, je dis merci beaucoup à Dieu. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne sais pas que je serai ici aujourd'hui. Depuis, mes enfants, j'étais là avec mes enfants. Ils n'avaient rien. Maintenant, on a fait le programme le jeudi. Maintenant, c'est le vendredi qu'on devrait venir ici. En même temps, même vendredi, là, ma fille est tombée malade. C'est fini comme ça. Il est venu à l'hôpital, on est parti à l'hôpital. Ils ont soigné. On dit c'est pas lui. Pas lui, là, ils ont soigné jusqu'à on est venu à la maison. Ça va même pas, elle est toujours couchée. La nuit encore, on est parti à l'hôpital. Ils ont soigné. Ma fille, là, elle est toujours couchée encore. Il a dit le diable ne voulait pas que je vienne à cette rencontre. Mais moi, je vais venir au nom de Jésus. Même s'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi seulement, je vais venir à cette rencontre au nom de Jésus. Même si l'enfant est malade, je vais prendre l'enfant et puis je vais venir. Vendredi, mon enfant là, mais ça ne va même pas même. On est parti à l'hôpital, on dit qu'on est qu'à venir vendre. On nous a donné 3 jours de rendez-vous. J'ai dit, je ne peux pas partir, que moi je vais venir sur cette rencontre au nom de Jésus. Quand on est venu vendredi, ça n'est même pas même. Elle vomit seulement, ça ne va même pas même. Et puis, c'est hier là, ça va un peu chez elle là. Celle qui est sur mon dos aussi là. Hier matin, elle n'avait rien, je l'ai lavé matin. En même temps, elle aussi, elle a commencé à tremper un coup. Et puis, son corps est devenu chaud encore. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça là? Mais tu es là, tu vas faire. Donc, j'ai dit merci à Dieu ce matin. Aujourd'hui là, ça va chez les deux. La voiture, elle a arrêté. Ça va chez elle aujourd'hui. Donc, j'ai dit merci beaucoup à Dieu ce matin. Adem Soutou Mankene. Acclamation. Au Kapoko, on est dans Yamike. Banan Djougouyala. Mais allez, Koko Niala, son nom. Allez, Benana, Zézoutoula. Donc, à Djidjala Kana. On a tout le temps avec Adem Blamé. Tari Kofé. Abala Tanoula. Denka Fissa. Alléluia. Je bénis le nom de Tout-Puissant ce matin. Hier, nous étions ici. On a prié. On a fait le brisement des liens. Avant d'abord de commencer à faire le brisement des liens, le papa avait demandé à ce que tous ceux qui étaient malades, qu'ils viennent, qu'on prie pour eux. J'étais là, ils voulaient venir, mais ils n'arrivaient même pas à marcher. Mes pieds, tous mes deux genoux, c'est comme si c'était attaché. Je ne pouvais pas marcher, mais je me sentais très faible. J'étais assise quelque part là. Et des frères sont venus, ils m'ont aidé. Ils sont partis dehors, ils ont prié pour moi. Hier, j'ai constaté que l'Éternel m'a guéri de l'esprit de mort. Pendant qu'on priait pour moi, je voyais une dame. Elle n'était pas au ciel, elle n'était pas aussi sur la terre. Elle était au milieu là comme ça. Quand les frères ont commencé à prier, elle a commencé à me regarder d'une manière. Et la voix a commencé à crier, maintenant que non, tu dois mourir. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive comme ça. Mais Dieu est toujours au contrôle. On est resté, on fait brisement des liens. Je partais à la maison encore. J'ai chanté d'ici jusqu'à la maison. Ma grand-sœur même, elle était contente. J'étais là. Elle dit, en faute, elle avait en partie. Elle dit, d'accord, elle m'a prêté. J'ai pris un petit café en partie. Frère, j'ai chauffé café. Il y avait une petite fille à la maison, elle a fait quelque chose. J'ai commencé à crier sur elle. Dès qu'elle a fini de crier sur la petite fille, café, elle ne pouvait plus boire, par gorge. C'est comme si ils ont serré même ma gorge, l'eau ne pouvait plus descendre. Mais c'est un crachat seulement qui sortait de ma bouche. Je suis rentrée dans la maison, j'ai commencé à prier encore.
J'ai prié pendant 30 minutes. Vraiment, à l'heure où je suis arrêtée, sans plus douleur. Je veux vraiment dire merci à Dieu. Acclamons Jésus. Mais Jésus est là, à Béa. Vous avez compris son témoignage? Une dame. La femme là fait quoi? Elle me regardait. Elle sortait d'où? Elle était. Bon, elle n'était pas en haut. Au ciel, elle n'était pas aussi sur la terre. Elle avait les cheveux vraiment mélangés. Et puis elle était là comme ça, elle me regardait. C'est trois. Et ils ont commencé à prier. C'est quand il y a trois personnes qui ont rendu témoignage. Un frère dit que le serpent s'est détaché de lui. Moro Saba. Elle dit qu'elle a vu le feu entre le ciel et la terre. Aka Moussoye, Sani Dougouche. Elle a vu un esprit noir. Donc, ne vont pas. Dina Fimandoye. Quand il fuit, il monte. Nimi, Boradron, Obeta Sanfe. Les ministres des délivrants doivent tenir compte de ça. Il y a un combat contre les principautés dans les lieux célestes, dans Asegla ici. Ça, il faut prendre ça au sérieux. Trois personnes. Les autres, ils voient l'esprit qui fuit, qui va dans l'eau, qui va dans le feu. Mais les trois cas là, l'esprit est dans les airs. Douta djina betarala obet burikata. Mais moi, ça va ni, oluta tarala sans fait. Lève ta main droite. Au nom de Jésus de Nazareth, nous renversons tout esprit existant dans les lieux célestes, exerçant une prise sur nos vies. Tout esprit méchant qui pendant ce week-end, il est sorti et il est parti planer. Nous te renversons. Nous te couvrons du sable du désert. Nous te renversons. Nous te renversons. Nous brisons tes ailes. Et toi, cette femme, quelle sœur a eu? Nous te renversons. Nous te couvrons du sable du désert. Et tous les esprits des serpents qui sont partis, qui se sont envolés, nous vous rabaissons, nous vous couvrons du sable du désert. Nous vous gardons prisonniers jusqu'au retour de Christ. Il faut dire que en ce matin, pendant que j'étais en train de prier, voilà, c'est comme j'avais les yeux fermés en prière. Et tout d'un coup, j'ai eu l'esprit ouvert. Voilà. Et je voyais comme un ange, quelqu'un qui était en blanc, vêtu en blanc, qui passait dans les rangées. Et à mon niveau, il s'est arrêté. Et je n'ai plus rien vu. Mais la seconde que j'ai reçu, je recevais la confession, me disait, oui, tu es libéré de toutes les racines de la sorcellerie. Tu es libéré de toutes les racines de la sorcellerie. Acclamons. Et je ressentais vraiment la joie. Je bénis le Seigneur. Allez, Kameleke Doye. Moi, tu m'as fait un pépé là, tu m'as fait un manatiema. Moi, nous t'aime. Nana, c'est allé que là. À quoi, ma? À ma doigt fort. Mais Yanni Doni, allez, Kamea Touroula. Côté, Bosila, Kabo, Banadjou, Bella. Soumayata, Djurumiba, là, au père Popola. Qui d'autre a reçu une vision? Oui, viens vite. Il y a une main qui a disparu là-bas. Qui d'autre a reçu une vision? Je ne sais pas, fait ça. Ou bien qui a vu que sa maladie a disparu? Pendant tout le temps, il reprend la caille. Si c'était dans ton sein, tu vérifies. Ni à Karako, Kroudolo, il va fler. Nabi. Si tu veux vérifier ton aide, tu peux aller vérifier. C'est ça la foi. Ni ta foi, il est là, tout est là. Oui, vas-y. Le passé a-t-il de prier, s'il restera net.
je ne voyais rien. Mes yeux là, c'était devenu noir. Tout quoi les voir noir. Dibi Donanya là, c'est Rida Nanamite. Maintenant, on est sorti, ils sont allés prier 6 mois. Je vois clair maintenant. Je suis libérée maintenant. Elle ne voyait plus rien. Elle était. Elle tout est fouillé là, tout Dibi Donanya là. C'est un démon qui se manifestait. On l'a chassé, elle est libre. Jina Mika Obarake, Anka Ouben Kaba. Pose les mains sur ta tête. Ibro fla la ikuna. Dit d'un commun accord. Nous élevons nos voix. Pour briser toute résistance. Partout où elle se trouve. Cette prière ni ala deli va agir partout où l'ennemi résiste. Même si ce n'est pas sur toi, tu pries, ça peut délivrer un frère. Il est Il y a des gens qui ont mené des combats seuls. Et il y a une résistance. Ça peut arriver. Une sœur a rendu témoignage. Le mari de lui a résisté, a même réussi à souffrir mousseau. Mais il a fallu que Jésus intervienne. Faut Jésus dans un cas, Jésus n'intervient même pas. La personne dit au nom de Jésus, c'est fini. Jésus mais là, elle a dit au nom de Jésus. Elle a dit au nom de Jésus. Elle a supplié Dieu. Mais le démon était toujours fort. Mais Gina Tumbe dit au nom de Jésus. Après Jésus là. Nous dirigeons nos armes contre tout esprit qui existe une résistance dans la vie d'un frère ou une sœur quelconque. D'un commun accord, nous brisons tes appuis. D'un commun accord, nous intervenons contre toi. Nous intervenons contre toi. Nous te cassons. Nous libérons l'élu de Dieu. Nous libérons l'élu de Dieu, cet enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu que tu oppresses. Nous cassons ton trône. Nous déclarons qu'il n'y aura pas de coalition, pas de renfort. Va-t'en! Et ne reviens plus jamais. Va-t'en! Il ne revient plus jamais. Pour la cachette, on va se réveiller. On va se réveiller. Nous libérons toutes les bénédictions bloquées. Tout ce qui a été bloqué, bloqué, bloqué. Nous le libérons. Dit même si c'est un procès à la justice, nous donnons la victoire. Si c'est contre la croissance spirituelle, nous arrachons la victoire. Si c'est à travers une maladie, nous l'arrachons et nous jetons dans le néant. Nous commandons les nouveaux organes du ciel. Le cœur, le foie, les poumons, les reins, l'estomac, les intestins, la vessie, l'utérus, les trompes, les ovaires, tout ce qui est gâté. Nous commandons les nouveaux organes, 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 les nouveaux organes,
les nouveaux organes, les nouveaux organes, les nouveaux organes, les nouveaux organes, les nouveaux organes. Le cerveau, la moelle épinière, les nouveaux organes, les oreilles, les yeux, les yeux, les yeux. Le nez, les narines, la gorge, tout ce qui est endommagé. Que Dieu intervienne, qu'il remplace au nom de Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Qui vient de conduire? Je suis le frère Gazois Jean-François. Je suis missionnaire dans la région des Grands Ponts. Pendant qu'on priait, j'ai reçu une parole du Seigneur que je voudrais partager avec vous. Ce week-end fut une grande guerre, mais j'ai vaincu. Je suis vainqueur à Séguéla. J'ai gagné dans le Worodougou. J'ai triomphé dans le Woroba. L'impact est profond. J'ai conduit mon serviteur. Vous verrez de grands fruits. Vous aurez de bons fruits. C'est mon œuvre. Avancez avec assurance. Je suis avec vous. Amen.